pas avancer, pas bien avancer. Ok, soldat Kenya qui descend. On a regardé soldat Kenya qui descend. Ok, la patrie en dedans, en dedans l'hôpital là. Quand même, nous sommes comme. Il y a justifié, il y a justifié. L'hôpital général là où vous êtes. Il y a un homme. Voilà, amis internautes, ça n'a pas gardé là, c'est monsieur Kenyayo qui devant l'hôpital général et il vient justifier et travailler. L'aime dit justifier travail et nous connaissons des propagandes qui t'a fait dans le pays pour montrer qu'il y a un contrôle de l'hôpital général. Et bien, matin là, il a envahi l'hôpital général, il vient faire vidéo, faire photo et pour prouver qu'il y a un contrôle de l'hôpital général, tandis que contrôle. L'hôpital général était sous contrôle et policier yo et policier était en lité et pour te repousser nèg examen pour te prendre contrôle l'hôpital général et matin nèg Kenya au débarqué là vinn faire vidéo vinn faire photo pour montrer que yo c'est yo même qui récupéré l'hôpital général pour y aller dit dans pays yo yo repousser bandier yo prendre contrôle l'hôpital général c'est faux et l'hôpital général pas de nèg examen pas de jambe nèg examen dans l'hôpital général. Et bien, Kenya a débarqué matin là, il vient prendre contrôle l'hôpital général. Même Jean Ophel dans APN, et APN, c'est Neg la mairie d'Haïti qui a contrôle APN. Et bien, Neg et Kenya eux-mêmes, ils débarqué dans APN, ils viennent faire photo, faire vidéo, montrer que ils ont contrôle APN pour montrer que c'est eux-mêmes qui prennent contrôle APN, qui repoussent les bandits, et puis c'est faux. C'est les policiers, Neg la mairie avec la police nationale là, qui bataillent. Qui prend contrôle APN, qui prend contrôle l'hôpital général, qui prend contrôle stade Silvio Kato, eh bien, et Kenya au même débat qui vient montrer que, et vient faire un scénario pour montrer que c'est au même qui lutte, qui bataille, qui prend contrôle et l'hôpital général. C'est ça qu'a fait là. Nous même connaissons là, et pour nous démentir toute faux information, ça, pour nous démentir détracteurs, mais son film qu'a fait. Pas de aucun examen dans l'hôpital général. Ces vidéos, photos que vous venez faire là, la police nationale a été prise en contrôle l'hôpital général. Automatique. Est-ce que vous venez comme vous venez faire un film dans l'hôpital général, est-ce qu'il y a tout arrêté dans l'hôpital là pour prendre contrôle l'hôpital général ou bien qui ça fait? Nous ne connaissons pas. Tout simplement, vous là. Et devant l'hôpital général, il y a regardé et il y a dedans, il envahit tout espace là, tout espace l'hôpital là,
nous pas connait est-ce qu'il y a prêté ou bien est-ce qu'il va aller. Mais en plus, monde a estimé que il fait base la donne une façon pour protéger palais national contre tout assaut, mais nous pas connait tout simplement. Et nous avons suivi pour nous si son film qui a monté ou bien si son réalité. Nous avons toujours dit ça. Nous n'avons pas de sécurité dans le pays, pas de force internationale. Même si je mets André Michel, c'est toujours dit. Je pense que si on a des problèmes avec André Michel, c'est parce que ou l'un des délicats. Nous-mêmes, nous toujours dit ça. Et quel que soit le côté force là, nous avons déplacé normalement pour nous dire qu'on peut faire cette affaire là. Parce que nous voulons la police politisée et peut-être ça nous sommes toujours après une force internationale qui nous là. Et là, je pense que ça c'est commencement. Je pense que vraiment avec la force internationale à la sécurité vraiment. C'est comme ça. Merci. Et dis-nous, nous avons envahi l'hôpital là. Et comment comprendre l'intervention? Parce que nous connaissons les policiers, nous qui étaient goumés. Et pour te prendre contrôle de l'hôpital général, mais je dis à nous, nous sommes venus et venir à l'hôpital. Comment comprendre ça? Oui, parce que tu as fait travail par eux. Je pense que les gens là, c'est pas pour l'hôpital général, non, nous ne sommes là. C'est pour les centaines de gens là. C'est pour le village qui est venu. C'est pour la ville qui est venu. Mais nous, et bon l'hôpital là, au campé? Non, ça c'est comment ça? Mais ça, c'est civil, ça c'est aussi chauffé. Je pense vraiment avec le gouvernement, avec la sécurité. Ok. Regardons notre pied, notre pied qui n'a même. Pour toucher problème nous et forcer autorité concernée pour des solutions. Parmi les recommandations, ça y est, défenseur plus mandé pour autorité pour renforcer capacité système judiciaire pour permettre plus monde gain accès à justice. Il mandé autorité pour mettre stratégie en place pour renforcer présence la police dans quelques zones qui vraiment besoin ça. Il mandé pour définir politique publique efficace pour résoudre problème malnutrition dans pays. Et il mandé pour l'État mettre accent sur la situation haïtienne et haïtienne qui vivent dans l'autre pays, surtout ça qui en République dominicaine, pendant qu'il a renforcé la diplomatie entre deux pays. Il mandé pour l'État définir ou bien renforcer problème et programme éducatif là pour améliorer la qualité de l'éducation. Et l'État doit agir pour plus de monde joindre la santé dans le pays. L'imande pour l'État profiter de l'aide force multinationale là pour aider la police nationale à craser foyer gang yo pour créer un climat de sécurité pour tout le monde capable de vivre en toute quiétude.
l'État doit créer conditions en faveur femmes yo à timon yo qui capable permettre vivre pleinement de droits. Ça yo c'est quelques recommandations défenseur plus fait à côté de concerner. Merci. Le droit à l'éducation capable de dire pour 6 mois pendant l'année, hein, c'est un droit qui est totalement bafoué. Côté 1, question nombre de jours de classe par exemple respecté. Soit plus passer 3 mois à l'école, perdit, surtout dans le département de l'Ouest avec la Tibonite. Deuxièmement, nous constatons un peu l'école pillée, vandalisée. C'est 4 pour l'école Fresno, c'est 4 pour le collège Bird, c'est 4 pour le séminaire collège Saint-Martial, pour citer ça seulement. Donc l'école, ça y est, pillée, vandalisée, attaquée. Pas des bandits et des armées. En pile l'école, tout est arrivé fermé pour toi, soit plus passé 900, soit dans fin mois janvier. Ça qui t'a pas empêché plus passer 200 000 timoun, eh bien, t'es arrivé une peine d'instruction. Et après attaque grissier, yo, dans pile l'autre école encore tout, qui t'a pas fermé, ça qui t'a pas augmenté chiffre ça. Et il faut que nous disions enseignement supérieur à tout, il frappe, non. Violation droit à ça, c'est droit à l'éducation dans le pays. En côté que, en pile faculté, surtout dans l'État, ils ont pillé, vandalisé, attaqué. C'est qu'à faculté de médecine et de pharmacie, c'est qu'à école, c'est qu'à ENAT, c'est l'École nationale des arts, c'est qu'à faculté des sciences, c'est qu'à pour école et pour faculté d'agronomie qui pillé, vandalisé, écrasé. Dans ça qui est pour avec droit pour manger, tout le monde droit à l'alimentation. Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Dépister plus passé 30 000 personnes de moins 5 années qui souffrent malnutrition dans le pays. De l'autre côté, CNSA, et il fait un rapport pour dire plus passé 5 millions d'Haïtiens qui ont une insécurité alimentaire. Ça veut dire droit pour manger qui est totalement bafoué pendant 6 premiers mois pour l'année. Droit à la santé, lui-même encore, c'est une catastrophe pour dire qu'en pile l'hôpital attaqué, pillé, vandalisé. C'est quatre pour l'hôpital général, l'hôpital français, l'hôpital de Sukyo. Si vous êtes ça, vous citez ça seulement. De l'autre côté, la crise qui a été dans le pays, c'est la cause en pile pharmacie et été boulée, soit qui pille tout. Et bien, dans ce sens, comme conséquence, il y a une crise et médicaments dans le pays. À côté qu'un pile monde, soit qui souffre de cœur, souffre de tension, il y a un problème pour jouer des médicaments. Et comme ça doit. Droit du monde, c'est un endroit qui est totalement bafoué, totalement violé pendant 6 premiers mois pendant l'année 2024. Là. Et il faut que nous disions, et que la crise qui vient aussi de nous déplacer, principal et premier monde qui est victime, c'est du monde. Droit femme, ça qui est avec droit femme, c'est une catastrophe totale. Droit femme actif, passe à être violé dans le pays pendant 6 premiers mois l'année 2024. Là. Et cas qui est plus récent et qui est plus marquant, c'est 29 mars, côté que. Bandi a examen entré dans un camp qui c'est gymnase Vincent. Il y a deux timons, côté qui ont 3 ans, qui ont 12 ans, ils ont violé les timons. Donc, défenseur plus, qui condamné Zach Sayo et mandé l'État pour prendre responsabilité. Dans ce qui est pour avec les gens qui sont déplacés dans le pays, le droit des migrants, il faut qu'on dise qu'ils sont déplacés internes et qu'ils sont migrants, les gens qui sont déplacés dans le pays, ils sont déportés dans des conditions et qui ne répondent pas à la loi du tout. Dans ce qui est pour avec et déplacés internes, selon OIM, il y a plus passé 578 000 personnes dans le pays, surtout dans le département de l'Ouest avec la Tibonite qui est déplacé. Dans ce qui est pour avec l'immigration externe, c'est une catastrophe pour dire que, surtout dans la République dominicaine, ils ont déporté Haïtiens, pas pile, pas paquet, dans mauvaises conditions, voyez là, dans conditions par rapport à la loi. Merci un peu. La violation de droit monde qui population haïtienne n'a pas suspendu civil chaque jour plus. En effet, le rapport ça étendu sur 6 premiers mois année 2024 là, et non en premier temps nous toucher droit civil à politique et non en deuxième temps nous toucher droit socio-économique à culturel et puis nous garder les droits humains spécifiques. Il faut que nous disions tout dans ce rapport nous dresser une liste de recommandations à autorité compétente et qui est capable d'aider à couper cette violence qui marque une école avec la violation de droits de l'homme dans le pays d'Haïti. En effet, Haïti a connu une crise multidimensionnelle sans précédent qui écarte de voir maman loi paysan qui est tracée. Sauti sous appareil politico-administratif, tomber sous institutions publiques, nous capables de voir que l'effondrement de l'État. Et c'est
yon bagay ka poursuivre route li sans break, sans foin. Et malgré moi juin, moi mai, t'es marqué par arrivée tout Kenyan, t'es marqué par installation conseil présidentiel là, nous toujours dans la même situation. Les nouveaux j'ai gardé qui gens doit la vie t'ayer pendant 6 premiers mois année 2024 là. Nous gardons nous voyons que la vie semblait pas gain valer encore. Et l'État par grande responsabilité pour garantir droit la vie du peuple haïtien. Il y a une vague violence qui sans pareil, qui marque par assassinat, incendie, pillage, tuerie, et qui fait que citoyens paisibles persistent victimes de violence gang. Et malheureusement, policiers autour n'ont pas épargné de vague insécurité. Ça qui est plus récent, c'est assassinat 3 policiers dans Delma 18. Et 9 juin qui se passait. En total, il y a une trentaine de policiers qui sont bandits, touillés depuis le commencement de l'année 2024. En gros, Défenseur Plus monitoré pour 6 premiers mois de l'année 2024. Et plus passé 600 personnes qui mourent dans l'insécurité. Et plus passé une dizaine de journalistes victimes dans la manifestation. Et parmi eux, nous avons cité Jean-Marc Jean qui malheureusement perdit Grenjel. Pour fonctionnement système judiciaire, 6 premiers mois année 2024 là, marqué par une série de crises. Plusieurs cas d'évasion spectaculaire, les n'a gardé que deux gros prisons pays d'Haïti et le Sibi attaque gang dans nuit qui était 2 mars 2024, il y a environ 4000 prisonniers qui évadés dans la pénitentiaire et 1400 autres dans la prison civile pour des bouquets. Les nous sortis de l'évasion spectaculaire, ça nous tombé dans la continuité grève et personnel judiciaire. Entre menace grève que le collectif magistrat de Bouillot fait, à mise en exécution grève que greffier a eu si fait, nous capables du système judiciaire malheureusement à fonctionner par intermittence et faut nous rappeler nous que grève ça a inscrit dans cadre pour demander meilleures conditions de travail. Et pour certification juge et suite à dernière opération certification que CSPJ mettait sous pied, gagné 30 juges qui certifiés et gagné 12 autres qui exclu du système judiciaire et 18 autres qui mandaient une enquête plus poussée. Il faut nous rappeler tout, il y a 8 juges qui ont nommé dans le tribunal de première instance. En gros, nous sommes capables de dire que le système judiciaire haïtien est au bord du dysfonctionnement et toujours pas arrivé à répondre de manière efficace et efficiente à l'attente de la population en matière de justice et de sécurité. Merci.